All right, bienvenue à tout le monde à notre exposition de la mode. Les étudiants ont travaillé beaucoup pour cette présentation. So welcome to all of you who are coming. The students have been practicing for quite a while and some of them are all dressed up. So I hope you enjoy the presentation as well as the music that goes along with it. Our song is SOS. Bienvenue sur la scène devant. Elle se fait faire la chevelure et elle a des yeux nuancés. Pour le maquillage, qu'elle porte de mascara, de blush et de rouge à lèvres. Elle porte une tenue très délirante. Pour le principal, elle porte un gilet rouge, un haut melon et sequins gris, de ringard jupe violet. A sobre calçon noir. Pour accessoire, elle a serré poussé chapeau lunette de soleil vert, écharpe coupard et bas blanc et des talons. Merci Devon pour le spectacle. Bienvenue sur la scène, Sam! Elle se fait faire les cheveux raides et elle est de yeux verts. Sam porte du mascara, du rouge à lèvres et du blush comme maquillage. Sam porte aujourd'hui une tenue magnifique qui met une valeur à ses caractéristiques.
Elle porte un débardeur rose, un caleçon noir, une robe blanche, un pique noir bleu, un gilet bleu, des lunettes de soleil et des hauts talons noirs. Elle est très classe. Vous êtes les bienvenus, Sam. C'était Sam tout le monde! Ça c'est le pantalon noir, ça fait très bien. J'ai ta chair, c'est génial. Ça c'est un sweatshirt noir, ça fait très bien. Ça c'est le chapeau noir, ça fait très bien. Ça c'est les chaussures noires, ça fait très bien. Il s'est fait couper les cheveux, c'est long. Ça, c'est le pantalon noir, c'est super. J'ai ta chair, c'est génial. Ça, c'est un sweatshirt noir, c'est super. Ça, les lunettes de soleil, c'est super. C'est les chaussures noires, c'est super. Il s'est fait couper le cheveu de la frange. As Zoe. Zoe is the Easton et va à Oliver Ames. Elle a de longs cheveux bruns et yeux. Zoe porte un sweat, aquapouche rouge pour un coat. Pour le pantalon, elle porte des calçons. Pour les chaussures, elle porte un paire de baskets. Enfin, ses cheveux sont un chignon. Merci beaucoup pour ça, Zoe. Ensuite, sur la scène est Catherine. Catherine est Liston et elle va aussi à Oliver Ames. Elle a cheveux bruns raides et les yeux bruns. Elle porte un sweat bleu. Pour le pantalon, elle porte un paire de calcons. Pour les chaussures, elle porte un paire de baskets. Certains accessoires qu'elle porte sont un paire de boucles d'oreilles et des bracelets. Oh non, ces boucles d'oreilles sont tombées. Le remise. Eh bien, c'était tout au revoir, tout le monde. Merci, Jacqueline.
Il portait des baskets orange et vert, un col noir, des pantalons noirs et un chemisier écossais et bleu. Son chapeau est élégant. Et j'aime ses pantalons. C'est cool et gênant. Voici Claire. Encore la casson noire, le sweatshirt blanc et noir, le sweatshirt blanc et le sweatshirt marron. Elle est la chemise blanche, blanc et red. Je vais introduire Addison. Voici Addison. Elle porte la casson noire, un pull noir, les chaussures blanches et les chaussettes marron. Elle a les cheveux bruns, blancs et red. Ici nous avons la légende de la mode, Justin Marchand avec un tenue très moderne. Bonjour, je m'appelle Justin Phillips et mon thème est blanc. Comme nous pouvons le voir, Justin traverse avec un chapeau blanc. Il se trouve qu'il a un sweat blanc de Nike. Son pantalon de champion marie bien avec son chapeau et son sweatshirt. Ses chaussures blanches complétant le look. Maintenant, c'est à mon tour de présenter. Il est maintenant Tom pour mon partenaire d'aller traverser la scène. Bonjour, mon nom est Colin et mon thème est noir. Comment vous le voir, Colin traverse la scène et chapeau noir. Il se trouve qu'il a un sweat noir de Nike représente son école Oliver Ames, son pantalon de champion Saint-Marie aussi bien avec son chapeau et son sweat, et il a un nom. Comme vous pouvez la voir, Colin est tombé de scène. Et nous ne pourrons pas terminer notre présentation.
El port de calçon noir on de verdure blanc et de basket blanc. El port le cheveux brun, blanc et beige. Ça te va comme un gant. Salut, je m'appelle Eva, je vais présenter Connor. Il porte le pantalon noir, le pull bleu français et des baskets blanches. Il porte le cheveux brun, long et raide. Oua, que tu es incroyable avec ça. Bienvenue tout le monde à notre exposition de la mode. J'espère que vous aimez la présentation des étudiants. And what I just said, if you don't know French, welcome. The students have been practicing their presentations for quite a while, so I hope you enjoy the show. Les modèles de beaux cheveux et chantant fonds avec des nattes et longs. Elle porte un t-shirt rouge avec un jean noir et des baskets noires super fantastiques. Elle un pendant argent en montre de Apple. Ouh là là! Elle porte aussi des lunettes de soleil courir très chic. Elle est encore beau. Regarde-la, elle est magnifique. Elle pourrait être la couverture du magazine Vogue. J'aime bien ce genre de style. Bienvenue, permis à tout de présenter Avery à la scène. Regarde Avery à la l'air si belle. Tout à l'air en forme. D'abord, on commence par ses cheveux, ses longs, gris et blancs. Au départ, elle porte un caleçon noir et un sweat gris. Alors, vous pouvez voir qu'elle porte un tutu bleu. Regarde la partie, ça te va comme un gant. Elle porte un magnifique collier et des boucles d'oreilles en or. Regarde ses magnifiques chaussures. Enfin, regarde ses chapeaux. Et un ouf, cowgirl, ce chapeau est moron et sobre, super chic. Oh mon dieu, elle est si belle que... Je pourrais revenir. Come on, man.
sera fantastique. Ça roule là. Il porte un chemise à fleurs. Ce chemise est super. Il a les cheveux en dos. C'est un très beau en dos de cheveux. Il a lunettes de soleil. Je vois les lunettes de soleil dans la tenue. Il est magnifique. Ben Port on short A on Craig Noir. Dr. Ike. The short and the Craig Noir sont fantastiques. Il porte élégamment ses disponibles. Oui, il sont très beau. Il fait un coup de cheveux avant de défier la mode. Oui, c'est très joli. Le chaussette complimentant la tenue. Que pense-vous de la robe de chambre? Je l'aime beaucoup. Il se gagne d'un robe de tissu bleu. Oui, le color est belle. Le copier est bizarre. J'adore. Whoa! Fantastique! Like how? Tell you we laugh. Your part on your knees of love. Le short bronzage est génial. Sa chemise est super. Il a fait repasser la chemise avant de défier la mode. Il a un coup court. C'est un très bel coup de cheveux. Il a des lunettes carrées. Je vois, les lunettes sont en addition à la tenue. Il est magnifique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un défilé de mode à trois styles avec un tenue de fashion, un tenue de princesse dresses et un title amusant, a kid that's styling while brilliant. OAHS, au port de Ottawa, rouge clair. Regarde cette robe. Cette robe est super excentrique avec un beige rose et motif de flair. Si vous êtes extrêmement silencieux, vous pouvez entendre tous ces bijoux qui se font planter. Avec beaucoup de colliers et des bracelets, Stella est super. Son maquillage n'est pas vraiment adapté à sa tenue. Mais elle se fait ses dénettes. Disons au revoir à Stella Zappos. Voici Marvel. Marvel est super jolie. Marvel porte un col. Marvel porte aussi un pantalon de pyjama. Elle porte un sweat à côté. Et elle porte aussi du collier de perles. Sans oublier qu'elle porte des cloques. En plus, elle porte aussi des chaussettes et tissus de vie. Elle a magnifique couverture par-dessus. Enfin, elle porte un tutu. Le troisième style est modèle par Julia. Julia est le modèle final avec un look sauvage. Julia porte des hauts talons beige. Julia est amusante dans ses vêtements parce qu'ils sont flous. Aussi, Julia porte une lunette de soleil et un pendentif avec un signe de douleur. C'est très chic et cher. Julia porte une mini-jupe qui est
et pour les sportifs qui sur gazon. Elle porte une épingle, c'est absolument hystérique. Julia est très à la mode. Elle se maquille de mascara et de rouge à lèvres noires. Pour les chevaux, elle se fait faire un chignon et elle se fait faire un cri de cheval. Merci, Julia. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'exposition. Ici nous avons Kate. Elle porte un beau jaune. Elle porte aussi un pantalon gris et avec des baskets grises. C'est avec un masque blanc. Elle s'est fait faire une masque. Je la trouve très élégante. Bien sûr, au revoir. Pour l'été. Sa tenue est parfaite pour ton show.
Au port de sandal noir. Je suis. Au port en corte de bébel noir. Je décontracté. Son short est bleu et jaune. Coloré. Pour accessoire, au port de lunettes du soleil. Je suis élégant. J'aime bien ce genre de lunettes du soleil. Elle se fait, mes cheveux sont longs et bouclés. J'adore cette panier. Qu'est-ce que tu penses? Bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre exposition de mode. Aidez-moi à accueillir le style du chef. Ouh là là! Elle porte une chemise noire avec le rouge touché. Elle porte des caleçons rouges en coton. Je la trouve super. Sur sa tête, elle porte une coupe de chef. Le chapeau, c'est noir. Elle a aussi un bâton en os. Sur ses pieds, elle porte des baskets blancs. Elle se fait faire un chignon. Je l'aime bien. Il fait applaudir! Bacon, Bonjour!
un look spectaculaire à venir. Aidez-moi à accueillir l'œuvre. C'est magnifique. Elle porte un costume d'œuf avec une jambe de jambe. Il est délirant. Il y a le bacon avec l'œuf. Elle porte un tutu orange sur l'œuf. Elle porte des caleçons noirs. Sur ses pieds, elle porte des baskets blancs. Elle se fait faire des couettes avec les cheveux. C'est très bien ça. Voici tout le monde, tous les étudiants qui ont présenté dans l'exposition de l'amour. Pour venir à notre exposition de l'amour. J'espère que vous aimez beaucoup.